C'est la dernière étape. Les rouleaux sont finalisés et préparés pour être envoyés dans les points de vente. D'abord, les lots sont découpés par un node à l'aide d'une machine scieuse. Les petits rouleaux dégringolent jusque sur une table fermée pour que le papier ne tombe pas. Ici, les jeunes femmes emballent les rouleaux dans des paquets de 6 qui sont ensuite scellés. 50 000 rouleaux sont ainsi produits chaque jour et sont prêts à être commercialisés. Des camions transportent les paquets jusque dans les petites épiceries et au supermarché Jumbo où ils seront ensuite vendus. C'est le seul papier toilette fabriqué à Madagascar, alors qu'en général, celui que l'on trouve est fabriqué en Chine. Fabriquer du papier toilette permet aussi de créer des emplois et de donner du travail aux Malgaches.